Donc coucou à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve encore avec une nouvelle vidéo, donc j'essaie d'en filmer plusieurs d'affilée. Donc là ça sera mes achats sur internet. Donc mes derniers achats sur internet. Donc j'ai passé une commande sur Dr. Pierre Rico. Donc... Donc j'ai pris un baume à lèvres. C'est lequel? Comme ceci. Que je crois que je possède déjà. Donc je vais le donner. Et au lieu de 6 euros, il était à 2,50 €. Et ensuite, il y avait des vernis. Donc au lieu de 18 euros. Les deux vernis, 18 euros les deux, je les ai payés 7,20 € les deux. Donc, il est comme ceci. Et c'est le rouge flamboyant, pardon. Et j'en ai pris un pour ma copine Emily. Et en cadeau, j'ai eu un rouge à, un baume à lèvres comme ceci. J'ai eu un échantillon de parfum Anne Toscane. J'ai eu le sérum de teint. Et j'ai eu les fleurs de Kyoto. Voilà. Et dans cette commande-là, il y avait une veste un peu cintrée. Hein. Voilà, comme ceci. Bourré de plein de petites paillettes, je sais pas si vous allez voir, doré et avec un col, donc c'est super sympa en plus comme cadeau. Ensuite, on va passer à Yves Rocher, donc en cadeau. J'ai eu une fleur de douche. Une trousse comme ceci. Hop, je crois que c'est ça. On va vérifier. Non, je l'ai payé 2,50 € la petite trousse. Ensuite, j'ai pris une boîte pour 2,50 €. Ceci, j'aime bien leur petite boîte parce que c'est pratique pour ranger. Là j'en ai une de l'année dernière et j'ai rangé tous les monobules de chez Yves Rocher. Ensuite ça, j'ai eu en cadeau, j'ai eu le Baie des Merveilles comme ceci en petit format. J'ai eu encore la crème pour les mains. Alors, le rouge à lèvres. Celui-là, il n'est pas marqué. Ah non, celui-là, je l'avais acheté dans une autre commande. C'est un rouge à lèvres. C'est les 0,44 €. C'était dans une autre commande, je me rappelle. Et il est comme ceci. Voilà. Ensuite... bain douche Baie des Merveilles. En 200 millilitres et j'avais le petit porte-clés en plus qui
comme ceci. Voilà. Ensuite, pareil pour la vanille blanche. Et il y avait le petit porte-clés. Ensuite, démaquillant tonique, j'en avais un acheté et un en cadeau. Il faut marquer. Non, c'est en cadeau aussi, celui-là. Je vais voir ce qu'il sent. Non, ça va, il sent super bon. Donc, à tester parce que je connais pas. Ensuite, je m'étais pris aussi un baume à lèvres vanille blanche. Qui était... €4,40. Que j'en avais pris deux. Donc, un, il n'y a pas marqué le prix. Je m'étais pris aussi celui-là, huile en cadeau. Non, j'avais pris celui-là aussi. Baie des merveilles. Et en cadeau, j'avais eu cette petite trousse-là. Donc avec des pinceaux. Donc voilà. Je vais faire, hop, et je vais passer à la suite. Voilà. Ensuite, il y avait un bon plan. Donc de la marque Ritual. Donc on payait juste les frais de port. Du coup, j'avais passé 4 commandes pour avoir de la marque Ritual ceci. Donc j'en ai 4. Donc voilà pour les mousses. Donc j'avais payé 2,95 € par commande. Ensuite, j'avais fait une commande encore sur Dr Perico. Et j'avais commandé la magie pourpre, les bougies, donc de ID Parfum. Donc j'en avais une achetée et l'autre en cadeau. Et elles sont super bon. Voilà. Ensuite, j'avais pris ce vernis-là. C'est le éclat or. Désolée pour les prix. Hein. C'est sur internet, donc je ne sais plus du tout. Ensuite, j'avais pris une crème pour les mains citron confit. Ainsi que praline gourmande. Et en cadeau, j'avais eu ce pendentif là. Et en fait, on peut le changer par celui-là. Voilà, ça donne comme ceci. Voilà. Ensuite, à une amie, je lui avais pris une boîte à bijoux Kim Idol. Donc, comme ceci, donc avec le miroir. Hop. Et voilà. Super jolie, je vais la mettre en déco. Ensuite, quand j'avais passé une commande chez Maruno sur internet, donc les produits c'était pas pour moi, ils m'ont mis en cadeau, donc de chez Dior, ils m'ont mis un carnet comme ceci, donc avec le ruban à l'ancienne, et après c'est des pages lignées. Donc j'aime bien ces petites attentions. Ensuite, à une amie, je lui avais pris aussi Paris Amour. Donc c'est une lotion pour le corps, karité et évatimine E. Donc comme ceci.
Et je lui avais pris le gel douche de Bath & Body Works. Voilà. Ensuite, sur Jennifer. Donc ça, c'était Internet, ouais. Il y avait une offre, en fait, avec un code, où on avait le droit d'avoir un cadeau au lieu de payer... je crois qu'on payait juste les frais de port. Et en fait, au lieu de 5,95 €, j'ai eu ce porte-clés-là gratuit. Donc, il y a un pompon et il y a un porte-clés avec un cœur. Voilà. Chez Marionneau, j'avais acheté ceci. Donc, c'est un baume à lèvres de Noël. Ensuite, sur Fond Jacques, j'ai pris les vernis Elsa Makeup comme ceci de Noël. Bah, une collection de Noël. Ouais, c'est ça. Et une jolie boîte comme ceci. Voilà, le prix, je ne sais plus du tout. À Lidl, j'avais pris aussi du sel pour le bain. Et pour terminer, je vais terminer avec Macadalia. J'ai pas le rouge à lèvres, le prix du rouge à lèvres. Ou c'était Tom Beauty peut-être. J'avais acheté deux produits sur Tom Beauty, donc une palette et un rouge à lèvres. Donc, je vais vous montrer ça. Donc j'ai pris celui-là. Et j'avais pris sur Tam Beauty cette palette-là. Donc c'est la Midnight Unicorn. Et elle se présente hop, comme ceci. Elle est super belle. Et ensuite sur Macadalia, j'ai pris deux palettes, donc ils étaient à 9,99 €. Donc je me suis pris la Peach Parfaite, donc c'est une édition limitée. Et elle se présente comme ceci. Elle est super belle. Donc si vous voulez une vidéo sur mes palettes slick, n'hésitez pas. Et j'ai pris la 10 ans, c'est la Diamant Décante. Et c'est une édition limitée. Et elle se présente comme ceci. Et elle est super belle. Donc voilà pour mes achats sur Internet. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!